Bonsoir à toutes et à tous. Il est 22h et nous sommes donc le 2 septembre 2024. Bienvenue sur Télé Djibouti pour suivre cette édition des titres d'actualité de soir. Entretien fructueux entre le président Guy et son homologue chinois, le président Xi Jinping, en marge du 9e sommet Sino-Afrique. Également dans l'actualité de ces 2 heures, la rentrée scolaire 2024-2025 pour les élèves de l'école fondamentale. Et dans l'actualité internationale, au moins 11 morts suite à une attaque israélienne contre une école abritant des Palestiniens déplacés. Voilà pour les sommaires. Merci si vous nous rejoignez sur Télé Djibouti. Le président Guevé est arrivé en Chine suite à l'invitation de son homologue chinois, le président Xi Jinping, où il prendra part du 4 au 6 septembre aux travaux du 9e sommet du Forum pour la coopération sino-africaine. Créé donc à la fin des années 2000, le FOCAC, ce sommet sino-africain à valeur de principale rencontre en sommet entre la Chine et l'Afrique, et à ce titre, il fait office de rendez-vous attiré aux deux parties pour définir, planifier et adopter des modalités et projets stratégiques de coopération entre la Chine et l'Afrique. À son arrivée, le président Guélé a été accueilli avec une aide d'honneur sur l'esplanade de l'aéroport international de Pékin. Ce sommet qui intervient tous les 3 ans. L'ordre du jour de ce sommet s'est toutefois agrandi depuis 2018, où il a allié une belle part de ses travaux à l'état d'évolution et de mise en œuvre de la ceinture et de la route de la soie. Eh bien, le chef de l'État a donc s'est entretenu avec le président chinois Xi Jinping. Le président Ismaïl Marguélé, peu après son arrivée, a rencontré ce lundi à Pékin son homologue chinois Xi Jinping. La rencontre qui s'inscrit dans le cadre de cette visite en Chine pour participer au 9e forum de coopération économique entre la Chine et l'Afrique, auquel il est arrivé donc hier. Le président Guélé et son homologue chinois ont tout d'abord salué les relations d'amitié et de coopération entre leurs deux pays, ainsi que le lien privilégié entre leurs peuples. Le président de la République, Ismaïl Marguélé, a profité de l'occasion pour exprimer sa gratitude à son homologue pour le moratoire accordé sur la dette, se réjouissant de la dynamique d'échange et de coopération, ainsi que de la solidarité entre les deux nations. Les discussions ont ensuite porté sur de nouveaux projets entre les deux parties, souhaitant établir un cycle fructueux de collaboration stratégique. En particulier, l'audience a permis d'évoquer cette perspective de coopération dans la réalisation de logements et la réfection du premier stade de Djibouti en un complexe sportif répondant aux normes et standards internationaux. Le président chinois a saisi pour sa part l'occasion de cette rencontre pour rendre un hommage appuyé au président Guélé quant à l'engagement constant en faveur du renforcement des relations bilatérales entre les deux pays, ainsi que la solidarité. Le président s'est ensuite entretenu avec un membre du Parti communiste chinois, M. Kaiki. Rappelons également que la République populaire de Chine est liée avec une profonde amitié et un respect institutionnel entre les deux parties. C'est ce qu'a évoqué ce membre éminent du Parti communiste chinois qui a rencontré le président Guélé. Il a indiqué que nous sommes prêts à
travailler avec Djibouti pour faire fructifier les relations au bénéfice de nos deux peuples. Pour sa part, le chef de l'État djiboutien Ismaël Marguelé s'est dit très heureux de retrouver ses amis avec lesquels il a toujours développé l'esprit de paix et d'entraide, mais aussi celui de travail et de développement. À l'issue de cet entretien avec M. Kaikei au palais de Taïtaï, le président Guélé s'est envolé pour Shanghai, où se tiendra donc ce forum d'investissement chinois. Il est arrivé dans l'après-midi pour participer à ce forum qui se tiendra demain à Shanghai. À son arrivée à l'aéroport, le président de la République a été accueilli par le maire de la ville de Shanghai, ainsi que plusieurs autres responsables de cette mégalopole. La ville est située sur la côte centrale de la Chine. Elle est la plus grande ville du pays, mais aussi un centre financier international. Shanghai est connue donc grâce à sa population, qui est considérée la ville la plus peuplée de Chine, avec 27 796 000 habitants. Le président était accompagné d'une délégation représentative du secteur privé djiboutien qui va donc mettre amplement à profit les atouts de notre pays, qui est un hub et une plateforme logistique multimodale et importante. Au cours de ce forum de discussion, il est également question de la promotion et le renforcement des relations et des partenariats stratégiques entre la République de Djibouti et la ville de Shanghai, qui est une ville portuaire. En bref, et en image ou sur invitation officielle du président du Mujlis National Fédéral Émirati, M. Sakar Abash, le président de l'Assemblée nationale, Dileïta Mohamed Dileïta, a entamé une visite aux Émirats Arabes Unis. À sa descente d'avion, un accueil chaleureux et fraternel a été réservé à lui et à sa délégation de parlementaires djiboutiens. Le président de l'Assemblée nationale, Dileïta Mohamed Dileïta, a été accompagné d'une forte délégation composée du député Ibrahim Ahmed Abdou Kamil Mohamed, Mahmoud Hassan Farah Ali Zaid et du conseiller aux affaires arabes Al-Amdan Abdou. C'est le début de la rentrée scolaire dans la capitale et dans les régions de l'intérieur. Globalement, l'on note 157 957 élèves, tout ordre d'enseignement confondu, ont repris le chemin de l'école cette année 2024-2025. Fini les vacances, le bal de la rentrée a commencé aujourd'hui. Dans l'enseignement fondamental dans tout le pays, ce matin, c'était donc la ruée vers les salles après les vacances, accompagnés de leurs parents. Les mômes étaient au rendez-vous pour cette rentrée scolaire 2024-2025. À l'instar de l'école annexe, l'école ZPS, la zone portuaire sud, le collège de Bouhaus et les établissements situés au grand faubourg de Balbala étaient également au rendez-vous. Les enseignants et chefs d'établissement ainsi que les équipes d'encadrement
et d'inspection étaient à leur poste pour accueillir ces élèves dans leur structure éducative. Eh bien, pour l'occasion, pour s'assurer du bon déroulement de cette rentrée scolaire et évaluer de près les conditions de reprise des cours, le ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, Mustapha Mahmoud Mahmoud, accompagné de ses proches collaborateurs, ont effectué la tournée dans plusieurs établissements scolaires, comme à l'accoutumée. Il faut répondre donc à la demande croissante d'accès à l'éducation et de garantir des conditions optimales pour l'apprentissage des élèves. Des travaux d'extension et de rénovation ont été réalisés pendant la période estivale dans plusieurs établissements. 10 écoles fondamentales ont été créées, 13 écoles ont bénéficié d'extension et par conséquent 93 salles de classe rénovées. De plus, 3 nouvelles écoles rurales intégrées ont vu le jour, témoignant également de la volonté du gouvernement de rapprocher l'éducation des communautés éloignées et de garantir une scolarisation pour tous. Par ailleurs, une nouvelle école a été construite à Bissidourou, renforçant ainsi le maillage éducatif dans la région de Hayou, au Bok. Dans une lettre d'entrée adressée à tous les acteurs de l'éducation, le ministre donc a égrené les priorités de cette année, réaffirmant ainsi l'engagement du gouvernement à améliorer continuellement la qualité de l'enseignement pour tous. Ainsi, cette année, le ministère mettra l'accent sur les objectifs majeurs que sont, entre autres, la scolarisation universelle à l'école primaire pour tous les élèves âgés de 6 ans, vivant en République de Djibouti, la mise en œuvre d'un système national d'assurance qualité à tous les niveaux, l'introduction des évaluations nationales indépendantes pour mesurer les performances des élèves et des établissements de manière objective et la mise en œuvre du programme d'analyse des systèmes éducatifs de la conformité du PASEC. Cette poursuite du développement préscolaire est également donc à l'ordre du jour de ces objectifs majeurs. L'introduction incitative sera également prise pour encourager la scolarisation et le maintien des filles à l'école. L'actualité de ce 22h, c'est aussi cette cérémonie de clôture de la formation de renforcement des capacités de la cellule d'inspection routière de l'Agence djiboutienne des routes. Une cérémonie présidée par le ministre des Infrastructures et de l'Équipement, Hassan Houmad Ibrahim, et a vu la participation du ministre de l'Agriculture, de l'Eau, de la Pêche et des Ressources halieutiques, M. Mohamed Ahmed Awali. Cérémonie qui a vu également la participation de l'ambassadeur du Japon en République de Djibouti, Keshiara, et le directeur général de l'ADR, Soubana Saïd Smaïl. L'objectif de cette cérémonie, c'est de présenter l'évolution du réseau routier national et la mise en place d'une base de données claire et efficiente de l'ensemble du patrimoine routier pour des prises de décision efficaces. Le ministre de l'Infrastructure et de l'Équipement, Hassan Mahdi Ibrahim, a dans son discours rappelé que Djibouti est prête à une attention particulière quant à la rénovation de ses infrastructures, notamment les routes. Rôle important dans ce domaine. Notre soutien ne se limite pas seulement à l'aménagement et l'amélioration des infrastructures routières, mais un fort accent est mis sur le développement des capacités humaines. À travers le transfert de connaissances par les experts japonais et les formations organisées au Japon ou dans d'autres pays, nous contribuons au renforcement des capacités des acteurs djiboutiens dans le domaine du transport terrestre, maritime et aérien. Ce projet que nous clôturons aujourd'hui s'inscrit dans la stratégie de l'ADR de disposer à terme d'une régie compacte et beaucoup plus efficace. Une régie capable de répondre aux besoins de maintenance et d'entretien de l'ensemble du réseau routier national.
projet a permis à la cellule d'inspection d'améliorer la qualité des investigations et de se doter d'une base de données routière qui est un puissant outil indispensable dans la planification de l'entretien et la maintenance du patrimoine routier. Le ministre de l'Agriculture, Mohamed Ahmed Awal, est exprimé en ces termes. Tout d'abord, je tiens à féliciter la cérémonie de clôture, une cérémonie d'un séminaire qui a duré un an et demi, d'après l'avis du directeur général de l'ADER. Ce n'est pas un séminaire d'une semaine, comme on a l'habitude de voir à Djibouti, mais un séminaire d'un an et demi. C'est un travail profond qui a été réalisé. D'une manière générale, je dirais quelques mots. Quelle formation et pour quel développement? Concernant le développement des infrastructures routières, qui est la colonne vertébrale du développement de Djibouti, je dirais, dispose-t-on d'un modèle de développement? Ce modèle existe et aujourd'hui je le vois. En tout cas, rien de solide ne pourra se faire en matière d'infrastructure routière tant qu'il n'y ait pas maintenance, inspection et suivi d'évaluation. Je suis heureux d'entendre aujourd'hui que des manuels, des procédures, aussi bien au niveau de la base de données qu'au niveau des réparations de routes, soient établis. Les gens sont formés, le manuel existe. Je crois que vous allez faire un travail vraiment de qualité à partir d'aujourd'hui. Le ministre de l'Équipement et des Transports, M. Hamad Ibrahim, quant à lui, n'a pas manqué de remercier le Japon pour son soutien constant à la République de Djibouti. Eh bien, avec un grand plaisir que je m'adresse à vous aujourd'hui pour célébrer la clôture réussie de la formation sur un renforcement des capacités de la cellule d'inspection routière de l'agence djiboutienne de route. Permettez-moi tout d'abord de remercier chaleureusement notre pays ami du Japon pour son soutien, son appui inestimable dans les divers projets et structurants au fil des années, dont le projet du pont de la Palmeraie en phase d'exécution. Et le partenaire de l'Agence japonaise de coopération internationale, JICA, pour leur précieux soutien technique dans la réalisation de ce projet de formation. Leur engagement indéfectible envers le développement du secteur des transports dans notre pays est extrêmement apprécié. Les transports routiers jouent un rôle essentiel dans l'économie nationale. C'est un mode de transport reliant les différentes régions de notre pays et facilitant les échanges commerciaux tant au niveau national que régional. Une infrastructure routière fiable et sûre est donc cruciale pour assurer la compétitivité de nos entreprises, stimuler la croissance économique et améliorer la qualité de vie de nos citoyens. C'est dans cette optique que notre gouvernement a fait du secteur routier une priorité et stratégique dans son plan de développement. Direction à l'Issabier, où dans le cadre de la préparation et la riposte de la variole du singe, l'Institut national de santé publique, à travers le ministère de la Santé, a effectué une visite au terrain dans la région d'Alissabier pour réévaluer la préparation et la réponse au niveau des points d'entrée terrestre, à savoir Galilée, et procéder donc à une formation au profit du personnel de l'hôpital régional. Ces délégations conduites par le docteur Hussein Youssouf, directeur général de l'Institut de santé publique de Djibouti, accompagné par des médecins, des épidémiologistes sur le terrain. La visite a eu lieu ce dimanche avec une rencontre avec la préfète de la région, Saïd Wabri Assoubi,
à la préfecture en présence du président du conseil régional, Chamarké Hassan Alali, ainsi que la présence du directeur général de l'hôpital régional d'Ali Shabi, Mohamed Miguel Hassan, le chef du corps de l'armée Bias, le lieutenant-colonel Roble Mohamed Abdallah, et les différents chefs du corps constitués de cette région. Ils ont mis en relief les objectifs de cette mission qui consiste donc à évaluer la mise en œuvre des mesures de contrôle, de prévention au point d'entrée, vérifier la disponibilité et l'utilisation des équipements de protection individuelle, ainsi que des kits de diagnostic rapide, rencontrer également le personnel de santé et de sécurité pour discuter de leurs besoins et de leurs préoccupations. Écoutons à présent le directeur de la santé publique, Dr Hussein. L'objectif principal pour lequel nous sommes venus aujourd'hui, c'était d'évaluer les structures sanitaires, d'évaluer les portes d'entrée terrestres face à cette nouvelle émergence de la maladie de plus connue, la variole du singe plus connue sous le nom des pox. Notre objectif principal, c'était de pouvoir, après l'évaluation au niveau de la porte d'entrée, de mettre en place un dispositif, un dispositif d'alerte précoce. Notre objectif principal, c'était tout d'abord de rassurer la population, mais également de faire une formation pratique, de faire des formations théoriques et de dire au niveau que cette formation que nous avons lancée, ce sera une formation de cascade qui est lancée au niveau de la région d'Ali Sabi, qui va s'en suivre une formation dans toutes les régions. À ce jour, il est à noter que nous n'avons pas de cas de passage. Nous n'avons pas des cas suspects, nous n'avons pas des cas confirmés, nous n'avons pas des cas avérés. Nous mettons en place les équipes d'intervention rapide pour prévenir, pour prendre en charge d'éventuels cas qui pourraient se venir. On reste à Ali Sabi où la 3e Assemblée Générale Ordinaire du Conseil Régional de la ville de Aska a eu lieu ce matin à la salle de conférence du siège du Conseil Régional, séance qui avait rassemblé l'ensemble des élus locaux présidés par le président de cette instance régionale de la décentralisation, Chamarké Hassan Alali. La 3e Assemblée Générale de l'instance régionale de la décentralisation s'apparente comme une rentrée politique au niveau régional. Le rassemblement des élus régionaux a débuté donc avec une lecture du Saint-Coran, suivi de l'hymne national. Peu de temps après, intervient le discours d'ouverture du président du Conseil régional à l'égard de ses collègues. Satisfaction que je vous retrouve aujourd'hui par cette rentrée politique, marquant une nouvelle étape dans notre engagement commun pour le développement de notre région. Nous avons parcouru un schéma considérable et aujourd'hui, il est temps de faire le point sur nos réalisations et de tracer des lignes directrices de nos actions futures. Tout d'abord, je tiens à souligner le succès retentissant du projet ADIL dans notre région. Ce projet qui prend fin aujourd'hui a non seulement atteint ses objectifs, mais il s'est également distingué par rapport aux autres régions du pays. Grâce à votre implication et à notre collaboration, nous avons pu concrétiser des initiatives qui répondent aux besoins de nos communautés, renforçant ainsi notre capacité à innover et à prospérer. La construction de 100 logements sociaux par la Fondation IOG en faveur des familles les plus démunies, un projet dont l'impact social est déjà très visible. Nous tenons à exprimer nos profonds remerciements et gratitude au président de la République, Son Excellence Hadj Ismaël Omar Guelle. Continuant dans leurs efforts de lutte contre la contrebande sous toutes ses formes, les unités judiciaires de la gendarmerie ont intensifié ses opérations en ce sens. Et bien, c'est dans cette optique que, dans la soirée du 31 à 23h, les gendarmes de la brigade Cheikh Moussa ont intercepté au niveau de Baroir 2 un véhicule à usage taxi ayant à son bord deux personnes. La perquisition effectuée dans ce véhicule permet de saisir 6 cartons de cigarettes de contrebande de marque Benson ainsi que divers produits de dépigmentation. Interpellés et placés en garde à vue, les auteurs présumés de cette activité ont reconnu le fait qu'ils ont été reprochés. À l'issue de l'enquête diligentée, ils seront déférés devant la justice pour répondre de leurs actes.
En nouvelle du monde cette fois, je vous le disais en titre, au moins 11 morts suite à une attaque israélienne contre une école abritant des Palestiniens déplacés. C'était hier au cours d'une nouvelle frappe aérienne de l'armée sioniste visant une école abritant des personnes déplacées dans la ville de Gaza. L'attaque a visé l'école de Safat dans le quartier de Zeytoun dans la ville de Gaza. C'est ce qu'a indiqué une source proche. La source médicale a indiqué que le bilan des victimes du bombardement israélien de l'école est passé de 6 à 11 morts. Voilà pour l'essentiel de ce 22h. Merci de votre fidélité. Restez avec nous. Le programme continue sur Télé Djibouti.